Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange et on se retrouve dans la bonne vieille maison de Chloé. Oui, avec un garage en bonne et due forme et pas une chambre. Là, du coup, la porte elle est ouverte. Et pas une chambre handicapée, hein, heureusement. Je ne souhaite à personne d'être handicapé et désolé pour ceux qui le sont déjà. Et donc aujourd'hui, eh bien, David est parti et le garage est grand ouvert, donc nous allons pouvoir fouiner sans que personne ne puisse dire quelque chose. Ah, du coup, David, il s'est barré avec la voiture, ok. Pourquoi il est passé par la porte d'entrée s'il est après la voiture dans le garage, alors n'importe quoi. L'email. Regardez l'email. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Ah, ça c'est quoi? C'est l'email. Oui, le système de sécurité. Je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Surveillance cameras at Pan Estate. On s'en fout, mais on a déjà tout vu, David, tout ça là. Y a pas des nouveaux trucs? C'est quoi ça? There's more to David Madsen than meets the eye. Je ne suis pas toujours très doué pour m'expliquer ou expliquer ma raison d'agir. Tout ce que je sais, c'est que personne ne m'a jamais compris comme toi. Je ne vous ferai jamais de mal, ni à toi, ni à Chloé. Ma mission prioritaire est de prendre soin de ma famille, d'accord? J'ai dépassé les limites de la surveillance et de la suspicion. Je suis vraiment désolé et j'ai honte. Mais il se passe des choses sombres à Arcadia Bay. Des choses dont je ne t'ai jamais parlé. Tu es ma femme, ma partenaire, et on ne devrait pas avoir de secrets. Je voulais tout te dire, mais j'avais besoin de plus de preuves. Au lieu de ça, une étudiante s'est suicidée sur mon campus. Je ne peux plus remettre les pieds dans mon foyer et ma belle-fille me déteste. Je t'en prie. Oh, c'est beau. Je serais tenté de lui donner quand même à Joyce. Parce que bon, voilà quoi. Il n'a pas un si mauvais fond. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Oh là là, il aide Nathan. Je retire ce que j'ai dit. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me barrer? Allez, je me barre. Quoi? Une note. Looks like David already booked a room. Ah. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de lire. Et c'est pour m'écrire la même chose, c'est pas la peine. Allez, on se barre. I helped Joyce lose William, and now David. Merde, je veux faire quoi? Non, mais non, je veux pas ouvrir. Je sais pas ce que je dois faire. Là, des cartons. Oh, jeez. David is packing up. Oh. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. Ah! Regardez, il y a les... Ah, énorme. Il y a les céréales. Les céréales qui datent de... De il y a 10 ans, je crois, ou un truc comme ça. Whoa, est-ce qu'on peut fouiller dans les casiers? That is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Bon, on va vérifier ça, cherchons une clé. Il y a pas une clé quelque part? Non, que t'es plus là, t'as dû laisser la clé quelque part. Allez, dis-moi où est la clé. Dis là. Oh. Oh. Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Et tu m'étonnes qu'il y avait le maire bleu de en haut just à l'étage. One picture, please. Allez, une photo. Ah mais non, mais c'est le maire bleu qui a pondu les yeux ici parce qu'il était coincé another justement. Photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Ah et du coup je les fais sortir, les petits oiseaux ils vont mourir. Max, you better put that plank back to protect the nest. Ouais, ok, oh, on va faire ça. Sleep tight, my eggy wags. Voilà. Il y aura plein de petits oiseaux. Ah. Utiliser. J'ai pas la clé. Ah, c'est le code. Oula, le code. Que j'en sais, moi. Un. Validé. Allez. Un. Validé. C'est pas for ça. Once, I don't have time to search for the code.
Oh, I need to find a way to break this padlock. Ah, faut que je trouve un moyen de forcer. Trouve un moyen. Allez, trouve un moyen. Il n'y a pas une clé de biche là. Vas-y, utilise ta tête. Non, pas ta tête. Tu vas te faire mal. Ah merde. J'ai rien, mais il n'y a rien aux alentours. C'est quoi ce bordel? Tiens, utilise une arme à feu. Either Chloe stole non. Another. Merde. The gun or David is out there armed. Mais là, il y a des outils. Non, c'est des pinceaux. Rien à voir. Ah, ben voilà, un pied de biche. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Allez, ouvrons le casier. Ah, merde, mais pas avec les mains. Le pied de biche, là. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Au pire, je remonte le temps et ni vu ni connu, hein. On sait comment ça marche. Alors, dis-moi tout. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Parking de l'académie. On sait quelque chose. What? What? Mais il était... Mais c'est un grand malade, ce mec. Oh, putain. Hop. Ok. Ok. Allez, on prend ça. Score. Back to Chloe now. Est-ce que... Hop, hop, hop. Voilà, ni vu ni connu, c'est tout bon. Et on a gardé le dossier avec nous. Bon, le pied de biche aussi. Mais, bah, qui sait, un jour ça nous servira peut-être, hein. J'ai le pied de biche dans mon sac, les gars. Il y a carrément la place. Yo, Chloe, are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Trois verres. Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel, plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. On va pas se faire choper, j'ai refermé le casier. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Ouais, enfin... Sérieusement, là, on va chez Nathan? Oh, bordel de merde. Non, ça c'est dortoir, rien à voir. Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe, why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too. Wow, elle se fait draguer. Long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird, just. Being on campus, like everything's normal. J'avoue qu'à cause de moi, il a plein de soucis. Le gars, il me demande si ça va, si tout va bien. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So... You don't hate me for what I said to the principal. Ah merde, j'ai oublié de donner la photo. J'aurais pu donner la photo, moi. Trouble, friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. No, see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Oh, mec. Il va nous piquer Jefferson. Je vais devoir me taper Let's Warren. See if I can find out where non!
Bon. Alors. Allez, pousse-le, pousse-le. Tiens. Oh, pauvre Kate. No need to go there now. Ah, je peux pas aller dans les. Hey, Justin, comment ça va? I can tell that Justin is really into Chloe. I'm working on it. Okay. Toi, tu me sers à rien. That's so ironic that Warren asked. Toi, tu m'énerves, mais je vais te parler. Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Tiens, m'envoie pas chier cette fois. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay, Brooke. But right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. Allez, va avec Warren. Ah oui. C'est vrai que Warren, il sort avec elle du coup dans un passé alternatif. Enfin, un présent alternatif. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Nathan is not around. I should go. OK, retournons voir Chloé. Wait till the game. Hey, Chloé. What? Mais j'étais juste là. Ah. Coast is clean. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. On cherche Nathan. Ah, on rentre dans les dortoirs des garçons comme ça? Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. J'avoue. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Ça devrait être moi qui devrait faire ça. Pour pouvoir remonter le temps et aller la prévenir au moment. Evan, on s'en fout. Bon, ça, ça doit être Justin. Du papier toilette. Très marrant, les dortoirs des garçons. C'est dégueulasse. Ça respecte bien les clichés. Même si c'est pas vraiment des clichés, puisque. Partout où je suis allé, j'ai toujours vu ça. Le côté des garçons, toujours plus crade que le côté des filles. Hein. Ouais, bon. Bigfoot got big balls. Trop marrant, les mecs. Ah, ça doit être Nathan, ça. Skunkweed and video games. Ah non. Hayden is Hayden. Ah, bah. This can only be Nathan's room. Forcément. Allez hop, la chambre de Nathan, entrez. Y'a personne? Je peux rentrer? C'est fermé à clé. On va tout défausser. Allez. Refais une bombe artisanale au pire. Ah oui, je l'ai bien forcé, d'accord. Allez le mec. Mais oui, bien sûr, le gars, il a une mini-chambre avec Now I need to find Nathan's phone. Putain, mais c'est fou. Or anything with clues. Joyce. Max. Merde. Maintenant que David n'est plus là, j'ai besoin que Chloé prenne ses responsabilités et arrête de faire autant de bêtises. Ce qui ne risque pas d'arriver si vous vous comportez en délinquante et entrez par effraction à Blackwell, au beau milieu de la nuit. Je suis au courant, donc pas la peine de nier ou de chercher des excuses. J'espérais que tu la remettes dans le droit chemin, mais j'ai bien l'impression de m'être trompé. Tu pourrais avoir une influence tellement bonne sur elle, sauf si vous voulez continuer à jouer aux rebelles toutes les deux. En tout cas, elle ne peut plus rejeter la faute sur David. Je suis désolé, Joyce. Moi aussi, il m'arrive de faire des bêtises, mais j'essaie d'avoir une bonne influence sur Chloé. Je sais, Max, j'oublie parfois que vous n'êtes que de jeunes adultes. Ah oui! Donc c'est moi, j'ai le droit de faire des conneries? Alors ça, on s'en fout. C'est quoi cette photo? Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your... It's so damn creepy, but... The guy has his own style. Ouais. Ah bah ouais, c'est lui qui a mis la photo aussi sur mon...
sur mon lit. Nathan is way into this party. Ah bah ouais, forcément qu'il est à fond. Il va pouvoir droguer notre demoiselle. Oh! Regarde, le combat des gens qui achètent les vêtements chers. Sérieux. Vas-y, ça m'a gavé. Où est ce téléphone? Des éraflures? Oh, intéressant. What the hell are all those marks on the floor? C'est le canapé. Bouge le canapé. Déplace. Let's find out what you're hiding. Qu'est-ce qu'il cache? Ah ah, le téléphone. Oh, il cache son téléphone. You are mine now. Avec les vidéos, tu crois? Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Mais prends-le! Bastard. Putain, le mec. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Bah forcément, il a envie de se démarquer de Victoria. Hein. Il est plus riche que Victoria, donc il faut le montrer, quoi. Bon, Chloé, c'est bon, j'ai le téléphone, on se barre. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Et très cher. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Oh, Nathan! Comment tu vas? Mais là déjà on n'est pas dans ton dortoir, hein. On est dans le dortoir de garçon, mais c'est tout. Make me ho. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh Max, I got this. Mais Warren, arrête ça! T'es sérieux, toujours là? Oh popo. Oh merde. Oh, oh putain. Oh l'enculé. Eh hey, hey, Warren, il a la rage. Je laisse faire. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like oh merde. Huh? Feel this, motherfucker. Allez, démonte-le, vas-y. Get off me. Allez, chiale un bon coup, mec. Oh, mais le tue pas non plus. Please stop. He's down. Come on. Allez, on se barre vite. Non, appelle le proviseur, tu verras l'arme. Tu pourras rien dire contre ça. Ah, elle a pris l'arme. Mais quel abruti. Who's the bitch now? Chloe. Putain, on va devenir de vrais criminels à force. Damn, Warren went full alpha on Nathan. Ah ouais, c'était carrément génial. Vas-y, donne-lui un coup. Pas. Scary. Attends. Meuf qui tape les mecs à terre, quoi. Ouais, ça c'est la vengeance, mec, hein. Warren, il s'est vengé. Bon, j'avoue qu'il a un certain charme, ce Warren. Warren, thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. I kind of went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Non, appelle pas la police. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow ouais, mais and fais gaffe à Nathan, du coup, parce que... Around the corner. And ah ouais, mais carrément, là... Seriously. Oh, il y a la tête de Hollande derrière. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Ouais, mais vous croyez qu'il va mourir, hein? So fucking in love with you. I know. He really did give a serious beat down to Nathan. Oh, merde. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank.
Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. La caravane de Frank. Il a encore bougé, hein. Ah bah les baleines, elles sont revenues, d'accord. Je croyais que c'était que dans le présent alternatif, mais non. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Ouais, on s'en fout de leur famille. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. Arrêtez conneries! I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Pourquoi tu prends un flingue? You, me. T'as les sous. And Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money, and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Mais on la retrouvera pas, Rachel. Arrête un peu. Qu'est-ce qu'elle va faire avec son flingue? Bon ben on saura pas dans cet épisode en tout cas, on le verra dans le prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein. Les pouces bleus, c'est cool, c'est super cool. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et tout le bordel, et merci à tous, bisous, bye bye.